Nous nous trouvons ici à l'ISMALA, Institut de maintenance aéronautique qui dépend de l'OFPT, dans le cadre de la visite de Mme Ivanka Trump à cet institut avec le CIO du MCC. C'est pour vous rappeler l'importance que constitue le secteur de l'aéronautique au Maroc et toute l'émergence que nous comptons avoir à partir de ce secteur. Et l'importance également de la formation professionnelle dans ce secteur. Et aujourd'hui, c'est un institut pratiquement unique avec l'IMA qui forme aux techniciens aéronautiques dans les différents métiers, mécatronique et autres. Mécatronique, maintenance aéronautique. Il faudrait souligner ici l'importance du partenariat que nous avons avec le MCC, notamment dans le domaine de l'éducation. De grands projets, j'en citerai au moins deux. Un projet qui va toucher trois régions, la région Tanger-Tetouan Hessima, la région Fes Meknès et la région Marrakech-Safi, pour la mise en place d'un projet d'établissement intégré, notamment dans 90 établissements, et qui commence par la réhabilitation des infrastructures, par également un projet pédagogique, formation des enseignants et mise en œuvre de ce projet d'établissement au sein des établissements. Et puis, l'extension de cet institut, ISMALA, c'est un projet parmi les 15 qui ont été retenus par le MCA. Et donc, il y aura 7 établissements de créer et les autres établissements réhabilités dans les différents secteurs. Donc, encore une fois, merci à MCC parce que le gouvernement américain accorde une importance capitale à la promotion de la formation professionnelle et notamment de la fille marocaine, son épanouissement scientifique et technologique. Et aujourd'hui, Madame Ivanka Trump a lancé l'organisation en juillet prochain 2020 d'un événement mondial qui va concerner la mise en place d'un programme qu'on appelle Women in Science Camp et qui va justement permettre à la fille marocaine de s'épanouir, de s'émanciper dans le domaine scientifique et technologique compte tenu de l'importance qu'elle pourra jouer dans ce secteur-là. Nous avons été ravis de recevoir aujourd'hui la délégation américaine conduite par Mme Ivanka Trump et M. Sean Kelcross, CEO du MCC, à l'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire de l'OFPPT. Il y a lieu de signaler que cet institut se distingue par les formations qu'il offre dans le domaine de l'aéronautique, spécialement celles relatives aux techniciens en maintenance aéronautique et qu'il est le seul à offrir au niveau national. Cet institut fera également l'objet d'une extension dans le cadre du programme de partenariat qui nous lie au Millennium Challenge Corporation et qui soutient le développement de la formation professionnelle au niveau national via l'apport d'une enveloppe d'1 milliard de dirhams pour le financement de projets de cette nature. Les résultats qui ont été déclarés en mars 2019 ont permis à l'OFPPT de capturer sept projets sur les 15 retenus au niveau national et qui permettront de la création de 5 nouveaux établissements, dont 3 dans les métiers de la santé et l'extension de 2 des centres existants.